Bon matin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire en fait un petit vlog de mon week-end concernant le 24 heures de Tremblant comme j'étais censée. Puis de vous redonner aussi des petites nouvelles de Lola. En fait, hier, juste avant que je descende à Tremblant, parce que je me suis dit je vais y aller. Juste pour me changer les idées, parce que là, ça devenait lourd. Puis tu sais, elle est au vétérinaire en fait d'urgence. Depuis comme jeudi, donc puis je savais qu'elle allait passer le week-end là-bas, donc je me suis dit c'est sûr et certain, il faut que je me change des idées parce que sinon je vais capoter. Donc c'est ça, donc je suis allée au 24 heures de Tremblant, puis en chemin, ils m'ont appelé pour que j'aille au vétérinaire parce que mon chien ne veut pas manger. Donc on est descendu, puis honnêtement, la vétérinaire a essayé de la faire manger devant nous, ça n'a pas fonctionné. Puis, aussitôt qu'elle est sortie du bureau, on s'est dit, nous, on va essayer voir. Puis, elle a mangé. Fait que, je commence à croire que c'est juste une question qu'elle a hâte d'être dans son confort, puis d'être avec ses maîtres. Puis, c'est peut-être la raison du pourquoi que là, elle veut comme pas s'aider, puis qu'elle veut pas manger, puis elle veut pas comme avancer. Fait que. C'est ça. Fait que là, hier, j'étais allée au. C'est ça. Comme je vous ai dit, j'étais allée au 24 heures de Tremblant quand même. Puis là, aujourd'hui, mon copain, il revient de 24 heures. Donc, ce qu'on va faire, c'est que. On va y retourner. Puis, on va essayer de la refaire manger aussi. Puis, de voir avec le vétérinaire, comme c'est quoi les possibilités. Qu'on peut avoir. Parce que, tu sais, je me dis, tant et tant qu'elle va être là-bas, je pense que. Elle fera pas les efforts nécessaires. Puis, elle voudra pas faire. Qu'est-ce qu'elle a à faire, puis manger, puis tout. Puis ça va juste nuire au processus, puis nous, ça va juste nous coûter une fortune, parce que plus qu'elle reste là longtemps, plus ça nous coûte cher. Fait que c'est ça, parce que là, on parle de 6 000, sauf que ça peut être plus. Dans le fond, le 6 000, je pense que ça couvrait comme le week-end, l'opération avec le week-end. Sauf que là, tous les jours qu'elle va rester là-bas, ben ça va nous coûter des frais de plus. Donc je me dis, tu sais, si elle pour rester là-bas, puis ne pas manger, juste parce que nous, on n'est pas là, ben, je vois pas l'intérêt qu'elle reste là-bas. Donc, peut-être voir avec la vétérinaire qu'est-ce qu'on peut faire si on la ramène à la maison. Fait que c'est ça. Donc, là, c'est où est-ce qu'on en est rendu. Donc, aussitôt que mon copain s'en vient tantôt, ben, on descend là-bas. Puis, on va aller voir nos possibilités, puis qu'est-ce qu'on va faire. Puis, je vais vous en redonner des nouvelles un petit peu plus tard. Parfois à faire des détours, cacher la vérité en l'habillant de velours. Manipuler les uns pour protéger les autres, sans jamais dévoiler à qui. Manipuler.
Allô, je voulais vous redonner des nouvelles de notre visite au vétérinaire. Notre chien, en fait, il marche toujours pas. Mais, elle m'a dit que maintenant, même elle est capable de la faire manger. Donc ça, c'est vraiment positif. Fait que ça fait en sorte que si elle est capable de la faire manger... Et ça, c'est fou l'éclairage? En tout cas, si elle est capable de la faire manger, ça veut dire qu'elle est capable de donner ses antibiotiques. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir lui donner des antibiotiques de la maison. Donc, c'est ça qu'elle voulait qu'arrive. Donc, elle me dit que si elle ne vomit pas sa bouffe et ses antibiotiques d'ici demain, on va pouvoir la ramener à la maison. Je suis tellement contente pour elle. Ça va vraiment être un poids de moins sur les épaules parce que, oui, je sais qu'elle est bien là-bas, mais je m'ennuie de mon petit chien. Puis, j'ai l'impression de comme un peu l'abandonner. Puis, tu sais, ça fait comme 2-3 jours que... Je vais la voir, je repars, je vais la voir, je repars. On dirait que je me sens comme mal. Puis là, mais j'ai déjà préparé comme son petit lit et tout ça pour son retour. Fait que je croise vraiment les doigts que demain il m'appelle puis qu'il me dise « Ok, c'est bon, tu peux venir la chercher. » Fait que c'est ça. Mais la seule affaire, c'est que c'est ça. Elle marche pas encore. Donc, ils vont me montrer en fait comment vider sa vessie. Puis tantôt, elle le fait devant moi. Ça a pas l'air tant compliqué. Là, c'est vraiment comme un endroit précis qu'il faut que tu pèses. Pour l'aider à uriner. Puis, sinon, c'est pour... Ah oui, il faut que je fasse de la physio. Faire de la physio, mais tu sais, dans le fond, ils m'ont envoyé un document par courriel de comment, quoi faire comme exercice pour qu'elle remarche, en fait. Puis en ce moment, c'est ça, elle a encore plus de sensibilité. Donc, c'est vraiment bon, mais... C'est ça, fait que... En espérant que demain elle puisse revenir. Bon, comme que je disais avant de me faire déranger, j'espère vraiment pour vrai que demain, ils vont me dire que je peux la ramener à la maison. C'est sûr que ça va être un peu de job. Je m'en attends, mais en même temps, tant qu'elle la laisser là-bas, puis que je fais juste payer, puis que dans le fond, ça revient du pareil au même que si elle était à la maison, parce que, c'est sûr, je vais y faire la même chose qu'eux, ils font. Puis ils vont me le montrer. Fait que, puis c'est la vétérinaire, honnêtement, qui me dit « Rendu là, tu peux la ramener. » Elle dit « Moi, j'ai aucun problème. » Sa priorité, c'était vraiment le fait qu'elle mange. Parce que d'un coup qu'elle mange, elle est capable de donner ses médicaments. Puis pour le reste, ben c'est vraiment une question de faire de la physio. Puis d'être à l'aise de la faire uriner. Mais là, j'ai tellement hâte de l'avoir à la maison. Puis le fait que je sois en congé de maternité, ça a vraiment comme aidé. Parce que je vais pouvoir prendre soin d'elle comme tout le temps. Tu sais, si je travaillais... On dirait que là, oui, tu sais, je l'aurais laissé là parce que ça aurait été peut-être un petit peu trop de trouble. Mais là, je suis en congé, fait que je vais pas laisser mon chien là-bas puis continuer à payer une fortune pour la laisser là encore une couple de jours quand que tout ce qu'ils font, je peux le faire à la maison puis qu'elle me donnait le go pour ça. Fait que c'est ça, fait que je suis vraiment contente au moins là. Il y a ça de positif. Puis on va voir comment ça va pour faire sa physio. Fait que je vais peut-être vous filmer comme des petites vidéos de... C'est sûr, je vais filmer des vidéos de elle quand elle va être revenue à la maison. Puis la physio aussi, là, je vais donner tout ce que je peux, là, honnêtement. Je vais faire mon possible, là. Puis en espérant qu'elle finisse par remarcher. C'est un petit point qui m'inquiète un peu, mais... Techniquement, ça devrait. Parce qu'elle ressent encore plus la douleur. Mais dans le fond, elle ressent les sensations dans ses pattes. Mais... C'est comme une main, là. Faut qu'elle réapprenne à marcher puis à faire ses choses. Fait que c'est ça. Donc, voilà pour les petites informations de mon petit bébé. Puis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Là, je sais que je veux pas faire comme plein de vidéos un peu négatives comme ça, là. Surtout comme le dernier. Écoute, vous comprenez même pas à quel point j'étais démolie. Puis, si jamais vous voulez... continuez à nous donner en fait des dons, ce serait vraiment apprécié parce que honnêtement 6 000 $ c'est comme vraiment beaucoup là. Puis en fait 6 000 $ c'est qu'est-ce qu'on pense, on est peut-être rendu encore plus haut, on va le savoir comme en allant la chercher.
Fait que si jamais vous sentez généreux, que ce soit un petit 5$, un petit 10$, peu importe, honnêtement, ce serait vraiment apprécié. Juste pour nous donner comme un petit coup de main, pour nous alléger sur les épaules, parce que ça tombe pas tant dans un bon moment. Mais c'est ça. Fait que voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Puis si c'est le cas, ben abonnez-vous, faites un petit thumbs up. Puis sinon, ben nous on se revoit dans une prochaine vidéo là, plus positive là. Bye!